Yo les jeunes, c'est Ipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte d'Icarus, un nouveau jeu de survie PVE jouable en coopération jusqu'à 8 joueurs. Il est développé et édité par Rocketworks et devrait être disponible sur Steam ce 20 novembre 2021. Alors dans ce jeu, nous incarnons un prospecteur envoyé sur la planète Icarus, une planète qui était destinée à devenir une deuxième Terre mais la terraformation a mal tourné, l'air est devenu toxique et les espoirs de l'humanité de coloniser un nouveau monde se sont effondrés. Jusqu'à ce que des xénobiologistes découvrent la cause de cet échec, une matière exotique. Et ce sont ces matières exotiques que nous allons devoir trouver et ramener à la station orbitale. Mais je préfère vous prévenir de suite, vous ne verrez pas tout ça sur cette vidéo car le jeu est actuellement en bêta et il est jouable pour les personnes ayant précommandé Icarus le temps de certains week-ends. Des week-ends de bêta mis en place pour tester les différents biomes et événements du jeu comme par exemple les tempêtes que vous pourrez voir dans cette vidéo. J'essaierai bien sûr de vous faire une vidéo à chaque week-end de bêta, surtout que j'ai bien envie de tester les biomes arctiques et déserts que vous pourrez apercevoir dans cette vidéo. Donc là nous étions sur le week-end bêta du 11 et 12 septembre, et je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but d'être un guide, mais juste un gameplay découvert de ce deuxième week-end de bêta, et qui dit bêta dit manque d'optimisation et c'est le cas pour moi, j'ai mis les réglages graphiques en moyen pour trouver un compromis entre beauté et fluidité d'image, le jeu manque d'optimisation et ma config commence à se faire vieille, mais je tenais quand même à partager cette partie avec vous, car je pense que c'est un jeu qui pourrait vous intéresser. Donc dans un premier temps j'ai dû créer mon avatar et choisir ma destination, mais avant ça je voulais vous parler de l'arbre de technologie et de talent qui sont assez complets. Donc quand vous débarquez sur la planète Icarus, vous êtes avec votre bite et votre couteau, ou plutôt juste avec votre bite. Le couteau vous devrez le crafter, donc oui vous êtes venu les mains vides alors que la technologie à bord de votre station orbitale doit être à la pointe de la technologie. Mais bref, passons ce petit détail qui m'a bien fait sourire. Vous allez donc, comme dans tout bon jeu de survie, ramasser des ressources, gagner de l'expérience et monter en niveau pour pouvoir débloquer les blueprints qui vous permettront de crafter de l'équipement, construire votre abri ou autre. Plusieurs niveaux sont donc disponibles dans l'arbre de technologie. Dans le premier tiers, vous allez travailler le bois et par la suite, vous allez passer à l'âge de pierre, de fer, etc., etc. Le système de craft est plutôt simple et efficace, et les habitués des jeux de survie ne seront pas dépaysés, et les novices comme moi pourront s'en sortir. En ce qui concerne l'arbre de talent, il nous permettra d'améliorer nos compétences individuelles, comme par exemple le fait de perdre moins d'endurance lorsqu'on fera une action particulière. Je pense maintenant qu'il est temps de vous montrer du gameplay d'Icarus, car l'intro était un peu longue, je vous le concède. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire de cette vidéo, et me dire si cette vidéo vous a plu ou pas, et aussi si vous voulez avoir d'autres vidéos sur Icarus. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Wolf, est-ce que tu me reçois là? Loud and clear. Je suis dans la navette, j'arrive. Mais t'inquiète, je crois que tu as peu de choses près, tu vas me tomber dessus. Hein. Elles sont un peu cramées là. Ah, t'es vraiment pas loin quoi, pour une fois. Mon ami, comment ça va? Elle est pas loin ta capsule là. Allez, au boulot. Au boulot, direct là? Je te dis. Ah ouais, direct. Ok. Surtout bon. Si tu veux de l'oxygène. Ok. Bon, c'est parti. On n'a pas le temps. J'en ai pas vu hein, pour l'instant. Enfin, j'ai pas été très loin, mais... Alors, je ramasse du bâton et des pierres. Quand même, ils auraient pu nous envoyer avec, avec du matériel, ces touristes. Quand même incroyable, ça. Après avoir ramassé des ressources et crafté quelques outils, nous avons cherché un plan d'eau afin de nous établir, ce que nous avons trouvé au sud de notre position. Ouais, on va se faire un petit truc provisoire ici. Histoire qu'on soit pas à la rue. Ouais. Et enfin, je pense que... Comme ils ont dit que la météo elle était... Bon, elle était un peu violente, il vaut mieux se mettre à l'abri cette fois. Ouais. Autant la dernière fois ça te faisait rien niveau santé ou quoi que ce soit. Nous devions au plus vite fabriquer un abri car la tempête allait arriver, mais il faut savoir que sur Icarus, il y a d'autres dangers que la météo. C'est bien marré quoi. Wolf, il y a un ours. Putain. Démerde-toi.
Viens à l'intérieur. Ou autour. T'es où? Je suis là. En fait, tourne autour d'un objet. Enfin, pas trop grand parce que sinon je vais jamais réussir à le piquer. Oh putain, ma vie elle est. Ah! Ah, il m'a tué ce bâtard! Mais non! Oh là 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 là. Heureusement, Wolf a pu me réanimer et nous avons eu notre première tempête. Du vent et de la pluie, mais rien de bien méchant. Attends, il faut. T'as une lance avec toi? Ouais. Ah putain, c'est quoi qui te chasse? J'ai un loup, mais il s'est pris une lance, regarde, il se balade avec ma lance aussi. Un wolf qui attaque wolf. Il va trop vite le. Bah, tu y arrives ou. Laisse mon pote. Bon, voilà. Ça, je récupère. Non, j'en ai perdu mon couteau. Ok. Il faut des pierres. Bon. Ça... Santé basse, santé basse. Mangeons. Mangeons. J'ai plus d'oxygène là. Bah, ah, c'est pour ça que je te demandais si t'avais combien il fallait de peau. Je vais crafter rapidement le truc là. Ah. Je le fais dans la maison, hein, on est d'accord? Fais-le dedans, ouais. Alors toi, tu vas faire comme Chris Axe, hein, tu vas nous attirer tous les loups avec ton raton laveur là, accroché à la ceinture. Ah! Je savais que j'avais ramassé un raton laveur, mais... Je me demandais où est-ce qu'il était. Il y a un ours dehors. Ah bah laisse-le dehors. Mais on a besoin d'oxygène, donc je suis parti récupérer. Bah ça y est, c'est bon, j'ai là. Ah mais il en faut 50, t'en as 50 sur toi? Oui, c'est bon. Il est plein là. Je peux venir respirer. La ressource d'oxygène installée, nous devions nous fabriquer un lit pour nous reposer, mais aussi avoir un point de réapparition en cas de mort, et penser à construire un abri plus grand et plus solide. Ce que nous avons fait, enfin, ce que Wolf a fait, et voici les résultats. Bon, on est d'accord, c'est pas la meilleure météo pour vous montrer la nouvelle maison. Là-bas, c'est notre ancien abri, là, le tout premier abri qu'on avait construit. Et là, c'est la maison bah, que j'ai construit un petit peu, mais surtout que Wolf a construit. Wolf, actuellement, il est un peu plus loin, là, sur la map, là, en pleine exploration. Et là, on est en pleine tempête. Et du coup, waouh. Franchement, les tempêtes, elles sont super bien faites. Pour l'instant, je perds pas de vie. Ah, désolé hein, pour les frises, les amis. J'espère que ça sera mieux au niveau optimisation pour les prochaines bêta. Ah ça y est, là je risque de perdre un peu de vie. Voilà. Ah ouais, ça y est, je perds de la vie. Bon, je vais peut-être aller m'abriter. Ce que je vous propose, c'est que je vais m'abriter. Et on fera la visite avec Wolf quand il fera plus beau et surtout quand Wolf sera rentré. Oh mais elle est violente celle-là. Ouais, c'est clair. Elle est bien violente. Bon les amis, voici la maison que Wolf a construit pendant mon absence. Je l'ai aidé hein, bien sûr à ramener plein de bois, mais bon il a fait le plus gros, il a décimé toute la forêt qu'il y avait autour de cette maison. Eh ben t'as bien bossé. Ah ouais, il y en a une partie qui a brûlé. Hein. Ah, je t'ai piqué ton armure peut-être. Un petit peu aussi, ouais. Merde. Parce que je me suis servi, hein, j'étais dans la maison visiter un petit peu et j'ai récupéré quelques trucs, mais j'ai piqué l'armure de Wolf. Bon bah, moi je peux pas la crafter encore. Bon, tu nous fais la visite. Je n'ai pas touché à manger. Est-ce que tu nous fais la visite? Ah, tu fais cuire là-dedans maintenant, toi. Bah oui. J'ai un peu de bouffe, je crois, sur moi. Est-ce que t'as fait un coffre pour la bouffe? Non. Non. Alors, le petit coin atelier, hein, voilà. D'accord. Avec l'oxygène, un petit crâne. Ah, l'oxygène, ça a changé, ok, c'est comme ça. Un petit lieu de stockage vite fait. Ça, c'est pour avoir du fer. D'accord. Le dortoir, hein, voilà. Ah oui. Sommaire. Là, il y a mon lit. Et la cuisine.
Et la cuisine. T'as pas une grosse tablée là où on peut s'asseoir à table, non? Et on peut faire des tables, mais j'ai pas envie de dépenser des points pour rien pour l'instant. D'accord. T'es quel niveau, juste pour info? 22. 22. Là, faut savoir que Wolf, pour avoir ça, là, il a pas mal joué quand même. Hein. Si après, tu peux. Je crois que c'est tier 2 ou tier 3, je sais plus. Tu peux commencer à équiper ta maison et c'est un bench particulier, voilà. Ok. Et là, tu peux avoir des tables d'intérieur, des chaises, un lit. Bah écoute, t'as bien bossé, hein. Non, comme ça ressemblait à une grange, hein, à ce qui paraît, j'ai fait un étage. Comme ça, on pourra aménager. J'avais pensé mettre en fait des armoires ici de chaque côté pour tout stocker. On va mettre des barrières hein, parce que. La porte tombée. Il y a la cheminée. Un accès au toit si besoin. J'ai pas fait la trappe encore. Et la cheminée. Et ça résiste aux tempêtes. Bah écoute, c'est encore debout depuis le temps que je suis parti, donc oui, apparemment. Que là, juste pour info, en fait, par rapport à ce que vous avez vu, vous avez vu des petits, enfin une petite tempête. Et avec Wolf, la dernière fois, quand j'avais joué avec lui, on avait joué un certain temps, donc la maison ressemblait pas à ça, mais presque. Au bout de 4 heures de jeu, on commence à avoir des grosses tempêtes, mais là, je crois qu'elles sont, bien balèzes. Donc la prochaine tempête qu'on va avoir, elle va être costaud. Des tempêtes, il y en a vraiment, il y en a plusieurs. Tu peux avoir du vent léger, après tu as des vents sévères, tu as des petites pluies, des pluies intenses. Ensuite, tu as l'orage, un peu ce qu'on a eu tout à l'heure. Et ensuite, tu as des orages électriques. Alors là où tu as de la chance, c'est que il y a eu un orage. Et c'est tombé sur le toit. Et ça a commencé à prendre feu. Ah putain. Ouais, c'est pour ça que t'as mis de la pierre là-haut. Et là où on est du cul, c'est que c'était un orage et non pas un orage électrique. Et la pluie a éteint le feu quasiment aussitôt. Donc j'ai même pas eu à reconstruire, juste à retaper. Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui, si c'est juste un orage électrique, c'est mort. Y a par pas contre, de pluie. Si l'orage électrique, la maison, bah, tu l'aurais pas retrouvé. Hein. Oh putain. Bon, bah, on croise les doigts. Et je me suis dit, bah, puisque ça tombe dessus, on va essayer avec de la pierre. Hein, donc, ouais. Écoute, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Non, mais regardez ce petit coin de paradis. Pour cette la terre qui n'est pas. Ah ouais, j'ai vu ça, ouais. Que j'ai rempli et vidé peut-être 2 ou 3 fois. Oh, t'es sérieux là? Oh là là. Ah oui, ça consomme, hein. Surtout quand tu te trompes. Ah mais faut savoir que ça c'est des heures et des heures. Hein. C'est pour ça et en fait que sur la vidéo j'ai un peu retiré, un peu beaucoup même retiré toutes les phases où je coupais du bois pendant des heures. Parce que voilà, pour moi c'est des choses qui sont pas forcément intéressantes. Après oui, il faut un abri comme ça. Mais moi ce que je trouve super intéressant dans le jeu c'est l'exploration. Bien sûr il nous faut de l'équipement pour pouvoir explorer. Mais pas de l'équipement d'ailleurs. Vous l'avez compris, notre objectif est de partir en exploration et pour partir dans de bonnes conditions, nous avons besoin d'équipement. On a donc passé quelques heures à récupérer des ressources, crafter des outils, du soin et tout ce dont nous avions besoin, mais bien sûr entre temps, nous avons rencontré quelques événements. Je vous laisse regarder ça. Oh, il y a une grosse tempête qui arrive. Flash storm. Oh, ah, flash. Ouais. J'espère que t'as de quoi éteindre les incendies. Ah putain, faut que je le crafte le truc. Parce que justement, la flash, c'est l'orage électrique. Attends, fibre, stick et stone. Ça bouge pas. On sait jamais si jamais et... ça tombe dessus. La fibre... Attends, je suis... Oh, je suis en panique. Non, ça c'est silica core, stone. Il y en a pas des fibres dans les caisses? Attends, je vais en chercher. Merde, ça, je m'en fous de ça. Non, c'est stick. Les fibres, c'est les buissons, hein, on est d'accord. Oh ah oui. Ah ouais, rigole pas la tempête, direct ça tombe. Oh putain. On va mettre tout ce qui est animal ici. Ah, fait flipper cette tempête. Fermons les portes. Attends, je vais crafter le machin là pour le feu. T'en as besoin d'un ou c'est bon, t'en as un? De quoi? Pour le feu, pour éteindre le feu. Non, non, j'en ai pas moi. Attends, tu veux que je t'en crafte un? Si tu veux, je sais pas. Tiens, je t'envoie des suture kits là. Et je t'envoie un truc pour éteindre le feu. Et pas tomber loin celui-là.
Ouais. Faudrait que j'ai une caisse, Wolf, si tu peux, là, une caisse pour les... J'ai vidé une caisse, là, j'ai, pour les plantes. J'ai mis tout ce qui était animal là-haut. Ah, ok, d'accord. Donc voilà, un bel orage électrique. Du coup, si ça tombe là... Oh là, j'ai besoin... Attends, j'ai soif. Vite de l'eau. Oh, j'avais pas fait attention à ma vie. J'ai besoin d'oxygène aussi. Oh putain, je vais crever. Survive un peu. Bon, ça fonctionne maintenant, ça. Ok, j'ai faim. Donc j'ai vidé la caisse, on a de la place si tu veux. Oh là là, laisse tomber. Ok. Il y en avait deux, il n'y en a qu'une seule qui a survécu. Il y avait deux de quoi? De prime en viande. Ça y est? Oh merde! Bon bah tant mieux, la maison elle a rien eu, on va quand même regarder si tout va bien, mais... Il a regardé avec le marteau, mais je pense pas que c'est tapé... Là, faut réparer les benches. Celui des habits, là. Il a ramassé. Il n'y avait pas un marteau ici, voilà. Ah, du coup, tu le laisses dedans, tu l'emmènes pas avec toi. Ah, le marteau, c'est pour réparer ici, hein. L'extérieur, il me sert à rien. Hein. C'est pas faux. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous montrer l'intérieur d'une grotte. Il y en a plusieurs sur la map. Et dans celle-ci, nous sommes partis miner du fer pour nous permettre de crafter des armes plus puissantes. Un loup dans une grotte. En train de chercher du fer. Je cherche les morceaux qui manquent là. Ah, tu as peut-être un peu de lumière. Ah, il était là. Il est là. Pompier, ouais. Et là. Et encore là. Et encore là. Ah, peut-être là. Ouais. Voilà. Bon, j'en ai Ouais, viens, on continue hein, pendant qu'on est là. Parce que c'est bon, t'en as combien sur toi? 45. Ça fait près de 200, c'est bon. Il en manquait pas tant que ça. Hein. Ok. Eh oh! Non, ça résonne pas. Là, je suis malade, j'ai plus de. Ouais. Comment je peux être malade avec un casque? Qu'est-ce que t'as? Pneumonie. J'ai un casque et je chope une pneumonie dans une grotte. Après l'effort, le réconfort, nous avons crafté nos équipements dont une lance en acier et nous avons passé une bonne nuit pour partir au petit matin. L'exploration commence et je vous le dis de suite, ce que vous allez voir donne vraiment envie d'être au prochain week-end de bêta avec les biomes arctiques et déserts, mais je n'en dis pas plus. Allez, tu peux te réveiller. Et eh ben c'est parti. On va manger. Récupère à manger. Ok, du poisson. Prends la viande avec toi. Ouais, j'ai pris. C'est bon, t'es où? De la viande, t'as pris de la viande et du poisson? Ouais. Non, mais avec toi dans l'inventaire. Hein. Oui. Ok. Bon, bah, viens, c'est parti. Oublie pas de fermer la clé. Clic, clic. C'est bon, c'est fermé. Allez, viens, c'est par là. Je te suis. Enfin, on part en exploration. C'est le mec. On va laisser geler un peu. Une récompense quand tu pars en exploration, même si tu sais que il y a du danger. Des baies, ok. Ah mais j'en ai encore avec moi. Des baies et de l'oxygène.
Ouais, l'oxygène, quand tu vois que ça commence, bah si tu veux le prendre maintenant, à la limite. Ouais, il y en a là-bas, je vais prendre. Sinon, il y en a plus loin. Ouais. Ah bah tiens, c'est ça qu'il me faut, Wolf, comme plante aussi, là. Des yeasts. On va prendre de l'oxyde. Ah, regarde, pour te repérer, tu vois ça, ce petit chemin-là, c'est la passe du loup. Ouais. Donc si tu vois ça, plus la petite descente, c'est que t'es pas loin du lac. Allez, viens, on continue. La passe du loup, t'as appelé ça comme ça? Eh ouais, on vient se repérer un peu. Passe par là, mais après, faut redescendre vers le sud. Mais bon, c'est pas très loin. Au cas où, si tu croises des plantes violettes, là, bleues, là, je prends. Hein. T'as des baies, là. Tu les prends, tu les consommes, ça va te permettre de faire monter ta stamina et ta vie. Attends, je les ai pas, moi, sur... Là, tu l'as pas, là, ce buisson-là? Ah, si, si, si. Il les entend, il nous appelle. Qui donc? T'as pas entendu, les loups? Non. T'entends que toi. Il y en a sur la gauche, un loup. Donc voilà, là ça commence comme on avait vu la dernière fois, tu vois, on reste en forêt, ça devient blanc. Ouais. Sauf que la différence de la dernière fois, c'est qu'on va vraiment voir la neige. On peut voir une montagne enneigée déjà au loin. Regarde, ça y est, ça commence, c'est là. Ah ouais, au sol, ouais. Donc là il fait 20 degrés, hein, 21 degrés, en haut à droite de mon HUD, de mon casque. Et j'ai essayé de tracer. En fait, tu peux pas, ça fait, ils ont fait comme un couloir et après t'as le compteur, faites demi-tour, blablabla, vous sortez de la zone, c'est le truc habituel quoi. Revenez dans 2 semaines, il y aura le biome arctique. Et là, on va passer de 21 à moins 40. Allez, ça y est, moins 40. Attends, je prends ma lampe torche. Enfin, ma lampe, n'importe quoi. Ma torche. J'ai essayé, j'ai même essayé un feu de camp, ça sert à rien. Ah ouais? Ça peut pas te réchauffer. Enfin, j'enlève la HUD là. On est dans l'immersion complète. Il y a du loup, hein. Je crois que tu peux aller jusqu'au dernier loup là-bas et tu peux pas aller plus loin. Ils nous attaquent pas là, les loups? Non, moi ils m'ont jamais vraiment attaqué. C'est vrai? Ouais. Par contre, je perds de la vie. Moi, j'ai pas de combinaison donc je prends. Ah, mais je perds de la vie aussi, ouais. Donc j'ai une tenue entre guillemets chaude, elle sert à rien, c'est comme la tienne. D'accord. Sur toi, t'as une tenue, là? Attends, puis moi, ça... Non, non, non. Ah, d'accord. Voilà, moi, j'ai ça, mais ouais, c'est... ça... C'est tout ce qu'on peut voir du biome arctique. Ok. À moins 40. De la neige. Voilà, moins 40, de la neige, et tu peux récupérer de la glace. Et on a un ours dans le dos. Ah, ça, c'est moins fun. Ouais, surtout ici. Ça va qu'on est deux, mais bon, si on peut l'esquiver, ça n'en serait que mieux. Ouais, j'espère que dans 2 semaines, quand on aura accès au biome arctique, qu'on aura quand même une certaine technologie avancée, parce que recommencer tout à zéro, comme t'as dit, c'est compliqué. Ouais, c'est bon, il trace. Wolf, il s'est fait la carte dans la tête, hein. Il connaît chaque arbre. C'est pour ça qu'il faut pas les couper. Tout à l'heure, je l'ai déstabilisé quand j'ai coupé un arbre. Ouais, tout à l'heure j'ai dû repasser par là, ouais. Tu devrais semer des petits cailloux, Wolf, pour te repérer. Ah, c'est bon, je reconnais, ouais. Je suis passé par là. J'ai pas pris le même chemin à l'aller et au retour. Ok, c'est bon. Ça va tellement être stylé quand tout va être ouvert et... Ah ouais. Voilà. Oh putain. Et quel niveau celui-là, voilà, 85, alors déjà ça rigole moins. Et lui c'est pas 3-4 coups de lance qu'il faut. Bon, ça va qu'on a des lances en acier du coup. On est deux. Ouais aussi. Allez, sors de là, j'arrive plus à sortir. Oh. Viens, à droite, à droite. Attends, je regardais la chute d'eau. Oh, mais il y en a plein! Il y a ta maison en bas là! Ta maison de campagne! Maison de campagne.
Ah ouais, t'as eu le temps de construire ça aussi, quoi. Avec un petit pont qui a pris un peu la tempête, mais... Ah ouais. Ah, terrible. Il faut descendre, hein. Bah oui, il faut descendre. Ce sera peut-être plus facile à gauche. Est-ce qu'on peut sauter? Je sais pas, moi je vais éviter. J'ai pas spécialement envie. Ah merde, il y a les poiscailles. Oh, putain de poisson de merde. Bon, tu vois déjà 86 l'ours et j'en ai croisé des 120 aussi, hein, ici. Bon, je retape un peu ton pont. Hein. Vas-y, fais-toi plaisir. Effectivement, il a bien morflé. Hein. Ça lui a pas fait du bien, la tempête. Bon, est-ce que je me suis amélioré sur la construction, là? C'est pas mieux? Ouais, ça ressemble vraiment à un petit chalet, là, bien cosy, là. Attends, je vais inspecter la toiture. Ah ouais, là, c'est mignon, c'est top et tout, là. Hop. Oh, t'es bien, là. Ah bon? Parce que tout à l'heure, je l'ai allumé, ça a mis le feu, je sais pas pourquoi. Et du coup, on peut même prendre un peu d'oxygène. Ouais, j'ai eu le temps de m'équiper un petit peu, quoi. Il y a ton lit. Là, regarde dans l'armoire. Voilà pourquoi je t'ai dit, vas-y, serre-toi. Ah ouais, oh putain, t'as des trucs encore plus poussés, j'ai quoi. J'ai pour l'été et pour l'hiver. D'accord. Ah ouais, ok. Enfin, l'hiver, elle est pas complète. J'en ai 3 sur les 5. Et avec ça, pour l'hiver, là, t'as pas... Non, ça suffit pas. Ça suffit pas. En même temps, c'est peut-être voulu, mais... Ouais, je pense que c'est voulu, de toute façon. Ah, c'est stylé, là, ici, là. T'es bien, là. Tiens, viens, regarde. Alors... J'espère qu'il y a pas de loup. Il s'était installé à côté de ta maison, tellement il était bien, lui, aussi. Non, ça va. Oh, là, c'est stylé, aussi, là. J'ai 3 grottes à proximité. Alors, tu vois, au bout, là. Tiens, on va la voir mieux, là. Magnifique, ici, là. Regarde au bout du lac, on voit l'entrée de la grotte, donc c'est une petite. Ah oui, exact, ouais. Côté est, j'en ai une grande. Et celle-là qui était cachée. Où ça, t'es où là? Ah, celle-là. En fait, ici était cachée, il y avait un mur de pierre. Ouais, tu l'as pété? Qui obstruait tout, du coup tu le pètes, et t'as une énorme grotte, mais surtout si regarde la quantité de fer et de cuivre. Une quantité phénoménale de fer, j'en ai... De toute façon, il suffit de retourner à la cabane et tu regarderas le stock. Ah, en plus, de tu peux passer là-haut, là, en tombant. Non, non, tu peux pas, je suis allé voir, il n'y a pas d'ouverture. C'est comme ça dans toutes les grottes, mais il n'y a pas d'ouverture. D'accord, <en fait. rire> ok. Et t'as une quantité phénoménale de minerais, et ça repop. Puisque tout ça, là, tout ce qu'il y avait jusque-là, je l'ai... Ouais, tu l'as je l'ai déjà pris, ouais. Et je dois avoir 400, 300 ou 400 lingots. Hein. Ah ouais. Et encore, j'en ai consommé, il y a une quantité. Ah, mais il est bien ce coin là. Ouais, enfin, il est bien, regarde les niveaux des bestioles aussi. Hein. Le nombre de fois où je me suis fait buter par un ours. Hein. Ils sont violents. Allez, on va aller voir le côté aride maintenant. Ok. De toute façon, on l'aperçoit là, si tu regardes sud-sud-ouest. Ah, oui, exact, ouais. Du coup, en fait, si tu peux t'installer un peu partout, tu peux avancer. Faudrait, c'est des petits avant-postes juste aux limites à chaque fois des zones. Ouais. Ah. Je crois qu'on va rentrer. C'est quoi? Non, ouais, ça va. Là, ouais. Ça va. Il y a une grotte en bas là? Il y a un ours, fais gaffe. Donc, t'as la grande qui est là. Où j'ai fait. En fait, tu peux t'installer dans une grotte hein. Si elles sont assez grandes. J'ai mis un feu de camp, un lit, et t'es protégé des intempéries. Ah, c'est celle si que t'as mis sur ton screen. Ouais, voilà. Donc, si tu te mets dedans, tu verras, on sera protégé de la pluie. Bon, par contre, t'es malade. Pourquoi t'es malade? Ah, oui, parce que. Ouais. Voilà, tu te chopes toutes les maladies des grottes, c'est les pneumonies, machin. Ouais, ouais. En même temps, on ne reste pas longtemps. Hein. À titre temporaire, tu peux rester là-dedans. Tu vois, ce que je te disais, c'est. Si tu compares à celle qu'on a vue juste avant, c'est le même pattern. Du coup, t'avais installé ton lit, toi. Ouais. Moi, j'ai quand même un peu de pluie, moi, à l'intérieur. Hein. Ouais. Mais en fait, j'ai remarqué, à chaque fois que t'as une ouverture, t'as de la pluie, même dans les maisons.
si ton toit il est ne serait-ce qu'un petit peu ouvert. Ouais. Bon, au moins ça te permet de savoir si ton toit il est ouvert ou pas, quoi. On peut y aller là, si tu veux. Ouais, commence à être le soleil, ça va se calmer. Et voilà, par contre, il va falloir attendre 4 semaines pour pouvoir y aller. Sur le côté aride? Ouais. Et 2 semaines pour l'Arctique. Alors. Ça y est, Wolf, il nous emmène. En Arizona. Dans le désert. Forcément, il y a des loups. 120 celui-là. T'es équipé? Ouais. Il va pas nous attaquer. Il est gentil. Donc voilà. Ah bah voilà les nouvelles bêtes. Springbox. Presque. Et là on passe de 40 degrés. Ah ouais, du coup il y a 80 degrés d'écart entre le froid et le... Putain. Tu peux fouler un peu le sable. Bon, après ils sont pas pris la tête, hein. Ils ont changé la l'allure de la bestiole, mais ça reste des cerfs. Tu vois, ils auraient pu mettre des glous ou je sais pas quoi. Non. Ah oui, il me dit de revenir, ok. Voilà, puis vas-y, galope. Hein. Allez, vas-y. Voilà, 3 secondes, 2 secondes. Plus. Oh là là, c'était chaud. Ah ouais. Ah, c'est stylé quand même. Voilà, ça ressemble à ça. Beaucoup de sable, un peu d'herbe. Attends, on va faire une petite photo quand même. On va faire une petite photo. Viens à côté de moi. Et bah, bien sympa. Hein. Puis en plus, on n'a pas eu de tempête sur le chemin là. En fait, j'ai plus envie d'aller par là que d'aller dans l'Arctique. Hein. Ouais, moi aussi. Ça donne plus envie. Bon voilà les amis, cette première vidéo découverte de Icarus s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez le constater, sur le chemin du retour, on s'est tapé une sacrée tempête. Donc je vous laisse profiter un petit peu des événements climatiques de Icarus. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, si elle est jeune. Arrive. Ouais. Oh là, j'ai fait me prendre une branche. Et là, on va morfler. Il y a des sticks qui volent, Wolf. Oh punaise. Ça souffle. Ah tiens. Des ears. Ça peut servir. Je fais ma cueillette, Wolf. Ça fonctionne de ce que tu fais là? Non. C'est juste moral. D'accord. Ça pourrait, hein, vu le sens du vent, ça pourrait. Hein. Ouais, ce serait marrant. Enfin, le sens du vent, t'as les débris d'un côté, la pluie de l'autre quand même. Ouais.